Voilà, vous allez nous entendre, ça va être mieux. Si. Allez, maintenant. Merci, petit toqueux. Dommage. Donc on vous avait lu tous les commandants, on vous les a décrits avec passion et. Ah, c'était tellement bien fait en plus. Ah, je suis dégoûté. C'est ma faute. Ma faute, la fatigue. Le confinement, tout ça, tout ça. Alors, choix de commandants qui ont été faits. Donc, Erek, du coup, qui est parti sur le Storm Tiger. Et la 2-2-1. Alors, 2-2-1, on disait hein, tout à l'heure, elle peut être très intéressante au début. Et quand elle est jouée agressivement, enfin, moi, je l'ai déjà rencontré sur des gens qui la maniaient vraiment agressif au début. Et ça fait vraiment le. Une forme de café. De l'autre côté, côté russe, donc on a Kui donc, qui est parti sur tactique de terreur. Donc, KV8, troupe de choc, la fameuse propagande, et puis les bombes de 50 qui peuvent être bien pour raser un bâtiment. De ouais. Et le ML20 hein, parce que ouais, c'est... bien sûr, bien sûr. Le tout, c'est qu'il faut que Brocard ait soit de la reco, soit éventuellement, il pourra en faire avec des mortiers, éventuellement, faire des. Mais comme il est parti T1. Ah non, pardon, c'est Brocard qui est parti T1. Ouais. On a un snipe qui a été fait côté Brocard. Les snipes, ils étaient montés ouais, à la première game. Là. 2-2-1 qui est sorti. Ouais, 2-2-1 qui fonce sur la mine. La mine, ah. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais, il voulait avoir ce snipe là. Le snipe il a pas back, il est resté droit dans ses baskets. On a les pénaux PTRS qui vont rentrer dans la maison. Ah, ils vont rachever le 2-2-1. Ouais. Perte sèche. Ouais, bien joué. Bien donc inspiré ce snipe là, de l'autre côté. Qui n'a pas tremblé. Ouais, Attack Track qui aura posé bien des soucis quand ils étaient alliés. Là, ils ont bien l'intention de capitaliser de la même façon maintenant qu'ils jouent Axe. S'ils continuent à poser les mines comme ils font là, ouais. Ça peut être rentable. Hein. Il y en a une sur la route de droite qui a été spotée. Ouais. Ah, le wipe sur le back. Ah, j'ai pas vu. Bataillon disciplinaire qui était équipé. Les PTRS, là. Ah, ils ont dû tomber vite, ça, qu'ils étaient longs en life, mais il restait quoi, 3 ou 4 modèles? J'ai pas bah, vu. Il a backé, il était plus que tout seul, donc forcément, je pense ah, qu'il est tombé vite. J'ai vu le back et je sais pas si c'était le Sturm, peut-être. Vengeance. Voilà. Les Allemands qui sont cut off. Ah, il a ressorti un 2-2-1. Ouais. Ils sont cut off. Les joueurs tiens, Axe. Le 2-2-1, il capture plus. Ou c'est moi qui rêvais, il capturait le machin là avant. Quand il était positionné. Il était sur le point et il capait pas. Alors, je sais pas. Faut peut-être le mettre en mode observation. Je ne l'ai pas souvent joué. Pour se dire même, je ne l'ai jamais joué, je crois. Alors, ça reprend le nord pour les alliés. C'est tranquille. On pose des mines, on profite. Ouais. Ça pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de mines. Je pense qu'ils ont dû être embêtés pas mal avec les véhicules à la game d'avant. Ouais. Snipe tout doucement, qui a déjà 8 kills.
La Matrix qui a sorti un Rakuten en préventif. Et Brocard qui a fait T1 Into T2, qui est en train de sortir un Ziz. T70 a vu le Rakuten qui a loupé son coup. Du coup, change de côté. Non, restera là. Mais comme la première game, ça commence plutôt serré. Il y a eu un wipe là, des vols qui s'y sont tombés. Pour un flank de deux sections de recul. Recru. Le T70. Aftrak qui va retourner à la maison se faire réparer, je pense. Les Klichturm seront là. Attention, le Ziz là qui est push. Trollbox dessus. Allez, les 70 qui vont venir en soutien. Faire attention les recrues là sur le back parce que sur la route ça risque de piquer. Petit Toteu qui dit que c'est le 2-2 Wehrmacht qui cap. Ah d'accord. Son T70 qui a déjà pris. Il a 14 skills, hein, qui est bientôt gradé 1. Paf. 15. Ce sont les Storms là sur l'étoile de gauche. Ouais, si le snipe loupe pas sur le back. Ah bah, il s'est allongé. Il a hésité, hein. Il était debout, il l'avait dansé une demi-heure, il s'est allongé, je le vois plus. Ouais, les alliés qui vont avoir les 3 points de victoire, qui sont bien en termes de VP, en termes de population, c'est kiff kiff. Hein. On a Couille donc qui fait la pharma dans son QG là. Il commence à avoir les troupes mal en point. Puis comme elles commencent à être gradées, ce serait dommage de les perdre. On a un Puma qui est sorti côté Erek. Donc il est parti. Il est parti avec le QG régiment mécanisé. Camion il est là. Il va le poser. Ouais. Et donc c'est la pharma. Tir de barrage du Ziz au mid. MG qui est aussitôt back. Attention au sud. Le snipe qui se fait toujours plaisir derrière, qui est gradé 1. 17 kills en 12 minutes. C'est plutôt bien. Troupe de la garde qui tanque. Attention, le T70 là, il est en train de s'emmêler les pinceaux là. Allez vouloir fuir ça. Est-ce que le Rakuten il va tenter une attaque au sol? Non. S'en sort de justesse. Double Rakuten sur la droite, faudra qu'il fasse attention. Double de choc, la grenade dans Russe, la maison. Brocard a gagné son petit duel sur la gauche et il avance. Et une MG qui est wipé. C'est bien, il va pouvoir encore attention, avancer un peu. Attention, le 2-2-1 là. Et le QG qui va être spoté derrière, là. Le QG, il va, je pense qu'il va spotter les deux QG là. Un cartable dessus là, ça pourrait être faire. Ouais, il préfère ramasser la MG34, il avance avec ses démineurs. Il va le voir. Mais un peu tard. Ah, il peut pas encore tirer. T'es maintenant, il faut que, faut qu'il finisse de le déployer. Après, il faut qu'il mette l'option pour. Ouais, mais ça aurait. Tant qu'il est en construction, voilà, les dégâts sont quand même beaucoup augmentés. Donc. Il tente la charge de démo là, mais il y a trois sections qui tirent dessus. Ah, il va jeter un cartable. C'était.
pour le plaisir. Ah, s'il l'avait jeté quand il est en construction, ça aurait fait beaucoup plus de dégâts. Ah, mais déjà là, il va prendre. Le Ziz qui tire derrière, alors je sais pas si le Ziz va pouvoir tenir longtemps. Il va peut-être l'avoir avec le Ziz, allez. Non, il recule le Ziz, là, il voit qu'il y a beaucoup de troupes qui poussent en même temps. Eh, hey, T-70 qui est réparé, qui repart, apparemment. Salut, Zinch. Ah. Les flammeurs qui sont dans la maison. Mais la maison est en feu. Le snipe qui passe V2. Le T-70 qui vient aider... Le T-70 de couille qui vient aider Brocard. Ah, là, les Vols, ils vont prendre. Ouais. Ouais, on a Matrix qui retente au nord, qui va, à mon avis, spotter la Maxime. Maxime qui est bien dans la game. Hein. Maxime, Matrix qui est bien dans la game. Hein. C'est lui qui a le plus de population des 4 joueurs. Alors Eric a pris un peu cher avec ce push là sur son QG flak. Matrix a un peu d'effectif en face là. Il a des réponses. Aïe aïe aïe. Puma qui est en difficulté. Et là Brocard maintenant qu'il a pointé ce QG, il a des envies de meurtre. Hein. Ouf, le Puma. Le Puma, ouais. Ouais, l'étoile du Nord qui a été repris par Matrix. Ouais. Ça reprend les munes. Matrix qui vient aider... qui vient aider Eric, là, sur ce coup-là. Flanqué, le canon. Il a refait des MG34 là pour essayer de contenir Broca. Tir de barrage du Ziz à droite là sur le puits. Ouais, ouais. Les deux coups ont été ont touché à droite à gauche. Le troisième coup aurait fait mal s'il était resté. Ah, depuis qu'ils l'ont nerf, il fait beaucoup moins mal, hein. C'est sûr, dans les couverts. Ça reste toujours bien efficace quand les unités sont à des. Le Ziz qui est lancé sur le pack qui prend un tir. Recule. Côté gauche, Eric qui push. Il a réparé ses QG. Ça mine beaucoup des deux côtés. Hein. C'est l'un comme l'autre. Ah, les mines, c'est la vie. Hein. Oh, le Lieg qui va se faire choper par les troupes de choc, mais qui est protégé par le flag. La MG34 qui est tombée sur le barrage de Ziz, c'est un tir de T-70. Allez, et ça reprend. Ouais, forcément Matrix redéploie son Alstrak Flak. Attention parce qu'il est déjà bien amoché. T-34 qui est passé V2, attention le Faust. Le Faust qui est parti, dégâts moteur, il va falloir réparer. Ah, j'ai pas vu, on a un Su-35. Alors la Puma qui est le Puma qui est parti à la chasse, il y a le Ziz pour il a sorti les obus, alors attention, ça pique. Il a loupé deux fois, mais bon. Oh, il a failli. Ouais, ça a tiré dans le brouillard et ça a fait mouche. Ouais. On sent que Brocard va s'obstiner à vouloir punir ce QG flak avancé.
à avancer. Mais deux points d'effectif de la base. Bah, il est pas trop mal, il protège le fuel et le cut. Ah non, le cut-off, il est pas complètement dedans. Mais ouais, non, au moins il est protégé par les bâtiments. Est-ce que pas de se faire détruire sur les. Ouais, la seule solution, effectivement, est F85, de loin. Et on a un KV-8 qui est sorti côté Monsieur Couille. Ah, qui vient de se prendre une mine. Stuka sur pied qui est sorti côté Matrix. Alors. C'est vrai qu'il y a pas mal de positions fixes en face. Hein. C'est bien inspiré, moi, je trouve. Monsieur Couille qui a 2 IS. 2 Maxime. Qui a fait un ML20. Qui est en train de construire un ML20. Et ça continue de miner. Et ça continue de sniper aussi. Alors, le ML20, au moment même. Ouf! Le Stuka qui est sur pied vient de sortir. C'est peut-être la mauvaise nouvelle. Après, il est relativement loin quand même. Ah, tir de Stuka. Sur les C'était pour le réparateurs. KV-8. Aïe, aïe, ça va, c'est passé entre les roquettes. Ah, le KV-8 là. Avec Deux son. raquettes, là, ça fait un peu beaucoup quand même. Ouais. Avec son insolent blindage. Rocard qui vient de se faire repousser. Et du coup, on a Monsieur Couille qui vient filer un coup de main avec le KV. Ouais, qui était au mid là, qui a deux chars sur son flanc, il recule. Raketon et MG replié au milieu. Sur le Ah, ouf, T70 sur là. le Ouais. T-70, ouais. Il n'y a plus les Rakuten là pour couvrir tout ça. Eric qui a bien push à gauche. KV-8 qui va revenir chasser tout ça. Oh, même pas les troupes de choc auront fait le taf avant. Yak Panzer qui est en sortie chez Eric. Bombardement de Stuka, les 4 bombes qui sont lancées sur le QG de réparation à droite. Est-ce que le Half-Track va l'abattre Oh. avant? Le Half-Track. Raketen. Ah. Et tir de ML20 pour le finir par-dessus. Ah. Le QG à Ça, c'est droite. bien joué. Pour l'instant, il n'est pas gradé, donc il n'est pas trop précis.
Pour l'instant, ça passe à côté. Tu me diras, il en faudrait peut-être qu'un. Mais ce sera pas pour... Ouais, ce sera pas sur cette phase. Tir de Stuka à droite. Oups. Je ne vais pas renverser son café. Qui a battu la MG 40, 34. Qui était à droite. On sent que Eric en a ras-le-bol du sniper de Brocard. Et a tenté de le chasser au puma. Attention, les sapeurs qui prennent feu. La Maxine Bet 3 qui back au mid. Brocard qui repouche. Là, son Su-85 qui est mal orienté. Ah, il y a Yak Panzer plus Puma. Ah. Le QG qui est tombé à droite. Sur un autre bombardement d'IL2. Ah, les troupes de la garde là sur l'étoile là qui me prennent cher. Ouais. On prend une mauvaise grenade. Attention le Puma là. Il est en long scope sur... Non. Attention parce qu'il a les obuites et ça peut faire très vite mal. Hein. Sniper qui vient de passer 23 à 42 kills en 26 minutes. Beau tableau de chasse. Oh, un IS-852 qui est sorti chez Brocard. Là, ça va faire des dégâts dans l'infanterie. Il a décidé d'arrêter de rigoler. Attention, le tir de Stuka sur pied sur l'équipe qui réparait le Su-85. Oh, le snipe! Aïe, aïe, aïe. Ah, des fois, il faut ça pour tuer un snipe. Beau tir de Stuka. Il y en a combien? 11 kills. Ah, la MG, vite, faut la replier. Ouais, la Maxime. Ouf! Demi-tour. Oh, il y a eu du bol. Très bien. C'est bien qu'elle était gradée droit, parce que... Matrix qui push haut à droite. Duo SU-85 et SU-152 là, du côté de Brocard. SU-85 pour donner la vue. Il a des arguments. Et l'ISU pour... en détonant. Défoncer tout ce qui est infanterie là. Et ça fait le café. Un P4 qui est sorti aussi côté Eric. Ouais, mais il y a de la réponse en face. Hein. Juste penser à switcher assez rapidement nos buts avec l'ISU-152. Mais bon, il y a ouais. Quand même le Z, c'est l'ISU-85 qui est là pour. Puis, ah, P4 de Co qui est sorti aussi côté Matrix. Panthère de Co, pardon. Ouh, ce tir de Stuka sur pied là, qui a une crew le Ziz qui était V2, je crois. Oui, et, c'était ça. Et le PK, le Panthère de Co qui vient pour push. Et qu'il est en détonnant, faut qu'il passe en perfo.
Il est marqué, le véhicule, le Panther est marqué. Allez. Monsieur Couille qui vient en soutien sur le... Le Panther de Couille va tomber là. Absolument. Voilà. Je dis ce qu'il a eu avec ses obus perforants. Ouais, il se replie tout de suite parce que... Ils ont pas des masses d'anti-tank là du coup. Qu'il a défoncé le... Mais du côté droit, ça pousse aussi hein, avec le KV. Ah bah ils ont des gros chars qui ont des arguments hein, côté... côté allié. Hein. Ah puis le KV-8, hein, c'est un gros ton, hein, donc faut en mettre hein, des roquettes avant qu'ils tombent. Ouais, surtout aux roquettes, hein, ouais. Est-ce qu'il va récupérer les Raketen ou est-ce qu'il va les casser? C'est vrai, ça. Ah, c'est passé. J'ai Matrix qui a quitté et Eric qui s'est rendu. Bah c'est ça. Ouais, Matrix était tombé bas d'un coup. Alors, je sais pas si c'est eu un bug ou si c'est un abandon. Ouais. Si on regarde les stats, qu'est-ce que ça dit? Forfait les loser bracket. Ouais, qu'effectivement Matrix a pris cher sur la fin là. Mais bon, encore que il est pas si bas. Ouais, c'est enfin, on voit c'est l'arrivée du Panther de Co et bah ouais, hein, le Panther de Co qui tombe, ça fait mal. Puis sachant qu'il y a toujours l'ISU 152 en face et un ISU 85. Et Eric a été mal pendant un moment de la game, là, jusqu'au moment où il a réussi un peu à sécuriser ses QG. Là. Il les a pas perdus. Non, ils étaient encore dans la course pour moi. Ouais, non. Eric avait encore pas mal d'infanterie. Hein. Il était pas trop. Un P4, un Puma, un Jagdpanzer. Matrix, il lui restait que le Stuka sur pied, il avait plus ouais. Sa Raketen, il avait plus aucune, enfin, il avait pas vraiment de réponse anti. Et pas t-shirt. Trop de réponse anti-char, mais bon, il y avait quand même 3 vols gradé 4, les Sturm gradé 2, 2 MG. Ouais, donc après, il fallait peut-être patienter l'effectif, parce qu'il avait du fuel, hein, il avait du fuel, donc il fallait patienter un peu sur l'effectif pour espérer sortir quelque chose. Ouais. On ne saura pas. Du coup, ça fait... je connais pas le nom de la team. Hein. Mais du coup, ça fait 2-0 pour Brocard et Monsieur Couille, qui du coup passent en demi-finale sur cette rencontre. Ils ont forfait les loser bracket. Du coup, ça veut dire que Eric et Matrix, qui se sont retrouvés placés dans les poules des loser bracket, ont déclaré forfait. C'est ça que tu veux dire, petit teuteux. Bref, on va faire une petite pause, le temps de voir si on t'en trouve autre chose à vous montrer. Je reviens tout de suite, hein, et j'oublierai pas de nous unmute. Hein. C'est quand même mieux. Hein. C'est quand même mieux un stream qui parle. Hein. Allez, à tout de suite. À plus.